terrorisent pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers, immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité. Ou bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploiter devraient-ils le faire ? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Yves Perra, Marseille, 4 janvier 2004.